Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est l'arrivée de Xur et on se retrouve comme toutes les semaines pour faire un petit peu le point sur ce qu'il a à nous apporter. Il est donc au hangar de la tour, donc sur la tour de droite lorsque vous spawnez à la tour. Ça fait plaisir de revenir un petit peu sur nos anciens pas. Donc allons voir tout de suite ce qu'il a à nous proposer pour cette semaine. Côté armes, ce sera la télécommande universelle. Donc c'est vrai malheureusement et c'est décevant d'ailleurs, que ce type d'arme revient peut-être un peu trop souvent, la télécommande universelle, la Mida, ce sont des armes qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup malheureusement, et c'est vrai que c'est un petit peu récurrent à force, mais bon, on n'a pas le choix, on va faire avec, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça fait un an que Destiny est sorti pour ceux qui ont commencé à jouer sur l'alpha, et en l'occurrence, mais je pense qu'on a un petit peu toutes les armes, tous les équipements pour la plupart d'entre vous. Côté staff, on retrouve les bottes MK44, écartez-vous pour les titans. Alors là, je suis juste contente parce que j'ai créé un titan il n'y a pas très longtemps et c'est pile le staff qui me manquait, donc j'ai beaucoup de chance. Ensuite, vous avez le masque du troisième homme pour les chasseurs et la lumière par-delà l'adversité pour les arcanistes. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous présenter tous les équipements exotiques. Je peux juste vous dire que pour les titans, il y a des meilleurs stuff que ces bottes. Je pense notamment au casque de 514 en particulier. Pour le chasseur, c'est un très bon casque et pour l'arcaniste, c'est également un item que je vous recommande. Côté engramme, vous avez l'engramme de torse exotique pour les derniers téméraires qui n'auraient pas achevé de collectionner tous les équipements exotiques. Pour ma part, c'est fait, donc je n'aurais pas besoin d'en acquérir. Côté télémétrie, on retrouve cette semaine les fusils d'éclaireur, les revolvers et les fusils à pompe. Et bien évidemment, les fameuses munitions lourdes que l'on retrouve maintenant toutes les semaines. Donc voilà, ça reste un stuff très limité pour Xur depuis la sortie du DLC 3. J'ai l'impression que c'est de plus en plus restreint. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive pratiquement au bout de nos collections. Donc l'un ne va pas sans l'autre, malheureusement. J'espère quand même que vous trouverez votre bonheur cette semaine encore pour notre ami Xur. Je vous fais de très très gros bisous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tel est le cas, si le stuff qu'il vous a apporté cette semaine est intéressant pour vous ou non. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde !